Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Réveil d'Afrique. À la suite de l'acte humain et honorifique posé par le colonel Mamadi Doumbouya en baptisant son nouveau-né du nom de l'ancien président guinéen général Alassane Conté, la famille Conté et ses proches ne sont pas restés insensibles au geste et n'ont pas voulu attendre longtemps pour venir faire part de leur reconnaissance et de leur profonde gratitude au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. La rencontre s'est tenue ce vendredi 23 septembre 2022 au palais Mohamed TV en présence du ministre secrétaire général de la présidence, le colonel Amara Camara, du ministre directeur de cabinet de la présidence, Dr. Diaba Diakité, et du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Faisant preuve de gratitude et de reconnaissance à l'endroit du chef suprême des armées, les intervenants au nom de la famille du défunt, le général Alassane Conté, ont exprimé toute la joie de la famille face à la nouvelle qui les ravit et les enchante. Pour le général à la retraite, Mathurin Bangoura, qui a conduit la délégation, cet acte est une illustration parmi tant d'autres posée par le président de la transition depuis le 5 septembre 2021, non seulement en hommage au feu général Alassane Conté, mais aussi et surtout en faveur de sa famille. Et bien les amis, c'est ici que pense ce bulletin d'information. Restez abonnés et scotchez la chaîne. Partagez avec vos amis, famille, connaissances, la trouvez intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information.